rassurant cette journée en un mot. Oui, c'est rassurant. Après, c'était pas début d'étape le plus facile pour moi. Donc, mais voilà, à la fin, c'est de toute façon, on fait les comptes à la fin. Faut faire les comptes à la fin et pas au début. Donc, les comptes à la fin, ils sont bons. Quand tu vois Simon Yates, Pidcock, Hindley lâché derrière toi, j'imagine que ça te fait un petit coup au moral, enfin un petit coup de boost au moral, quoi. Ouais, c'est sûr que ça fait du bien. Et voilà, après, on sait que j'avais dit que j'allais rien lâcher dans tous les cas. Et je l'ai prouvé aujourd'hui. J'ai failli être distancé très loin de l'arrivée. Au final, ça l'a fait. Donc voilà, maintenant, il faut rester concentré. Il y a encore des étapes qui arrivent. Et j'espère que la troisième semaine me réussisse mieux que d'habitude que les premières et deuxièmes. Donc voilà, faudra être très très fort dans la tête encore sur la dernière semaine. C'est quoi l'objectif de cette troisième semaine? Remonter au classement et pourquoi pas se glisser dans une échappée? Après, si c'est dans une échappée, j'ai envie de dire que c'est compliqué parce que là, j'ai essayé. Ça fait deux fois que j'essaye. Deux fois, j'ai du monde sur le porte-bagages, certains coureurs qui on les laisse partir reprendre beaucoup de temps. Voilà. Là, j'ai essayé d'aller dans l'échappée, on m'a sauté directement dessus, donc voilà, c'est compliqué. Faudra voir maintenant en troisième semaine comment ça va se passer. Mais plutôt t'accrocher du coup comme tu l'as fait aujourd'hui et de belle manière. Je sais pas, on verra. Ok, bon, merci beaucoup David. Bravo.